Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Fantasy, un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour cette petite vidéo. Je vais vous remercier tout simplement pour commencer de ces 500 vues. Alors oui, peut-être pas le truc le plus ouf du monde, mais j'espère que ça vous aura plu la vidéo que j'ai faite. Si vous voulez que je vous fasse d'autres comme ça, un peu du même style, un peu pour rigoler. Alors oui, il y a toujours des rageux, hein, des gros rageux sa mère, qui me mettent des commentaires négatifs. Alors vous savez, ça m'atteint pas parce que vous êtes... Mais je dis ce que je pense. Alors, à part faire chier le peuple et rien foutre de votre vie, être dans un canapé, regarder Mickey et la trompe à Vladimir, là, vous savez pas quoi faire, vous savez pas faire d'autre chose. Et vous venez me critiquer sur ce que je fais et pas sur ce que je dis. Mais en fait, les gens, si je suis trisomique, je suis trisomique. Dès que t'as un problème contre les maladies, et à ce moment-là, va te soigner, quoi. Parce que le trisomique entre toi et moi, c'est toi. Et il y a aussi ces gens qui disent, ouais, c'est de la merde, ouais, c'est nul. Je veux te voir faire des vidéos. Et le jour où tu pourras me mettre une critique, mets le lien de ta vidéo. Puis on pourra se taper des barres, on pourra rigoler ensemble. Parce que là, en fait, c'est juste de la critique gratuite. Et c'est ça, les haters, en fait, de 2018. C'est, je suis là pour critiquer, je suis là pour parler, mais je suis pas là pour agir. Donc, à la fin, sortez-vous les doigts du cul et allez faire des bonnes vidéos. Puis après, venez me parler. Alors, oui, c'est pas la vidéo la plus top du monde que j'ai fait, mais c'est une vidéo que j'ai fait parce que j'avais envie de la faire. Parce que vous savez, j'ai un youtubeur préféré qui s'appelle GameX13. Je pense que vous connaissez. Je pense que c'est un youtubeur assez connu. Il a lancé un challenge qui s'appelle la Purge Challenge. Parce qu'il y a eu des débats à Paris par rapport à la Purge Challenge. Il y a eu des trucs cassés. Je trouve ça immonde, mais c'est pas grave. La Purge Challenge, c'est un truc pour rigoler et un fun, tout ça. Un moment où on est censé tous rigoler, et ben non, il y a toujours des fils de qui viennent nous faire chier alors qu'on leur a rien demandé, tout simplement. Alors que, bah, faites-le, et après on pourra comparer nos puissances et nos façons de faire, parce que là vous parlez, mais vous savez rien faire d'autre. Alors à la fin, j'ai envie de vous dire, oui, d'accord, tu parles, c'est bien, mais agis maintenant. Et arrête de faire le mec qui sait pas de quoi je parle, parce que tu sais très bien de quoi je parle, toi derrière ton écran. Si t'es là pour critiquer la chose, dégage, je t'empêche pas de partir. Alors oui, il y en a qui disent, ouais, je vais rester pour ton évolution. Et bah reste pour mon évolution, mais à ce moment-là, ferme ta gueule. Voilà, c'est un truc simple et basique. Je te demande de ne pas critiquer ce que je fais, ce que je dis, ou même ce que je montre, ce que je démontre, ce que je fabrique, ce que je fabrique pas, là, ce que je fabrique, putain, merde. Que ce que je fabrique pas, et puis viens pas m'emmerder avec des trucs que tu connais même pas. Je suis sûr que t'es en train de parler de montage mal réussi, mais tu sais pas ce que c'est du montage. Tu sais pas combien de temps ça prend. Tu sais pas combien de temps ça met. Les idées qu'il faut avoir. Parce que là, c'est facile de parler devant un écran. Mais vous, je suis sûr que vous êtes incapable de parler devant une caméra qui va montrer à plus de 20 000 personnes. Même si c'est pas 20 000 personnes qui me regardent, c'est 60. Mais au moins, je porte mes couilles, je me montre sur internet. Et il y en a plein qui disent, ouais, salut à tous, je me cache, j'ai honte de moi. Bah, t'as honte de toi, mais viens pas me faire chier. Parce que quand tu crées une chaîne YouTube, que tu fais 2-3 vidéos et qu'au bout du 30e, de la 30e vidéo, tu abandonnes ta chaîne comme une grosse merde. Alors à la fin, je sais pas, remets-toi en cause, réfléchis, sois plus mature. Je veux dire, aujourd'hui j'ai 15 ans, aujourd'hui je suis quelqu'un de responsable, même si des fois ça m'arrive de partir en couille, parce que c'est ça l'humour. Alors je sais pas si vous connaissez pas l'humour, mais l'humour c'est fait pour être rigolé et pour être un petit peu con. Voilà, parce que quand tu fais des blagues de merde à ton repas de famille, excuse-moi, tout le monde rigole pas, hein, j'ai envie de te dire. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, c'est très important pour la suite de la chaîne YouTube. Et n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu de l'univers. Et puis les haters, bah, faites-vous plaisir. Arrêtez de me casser les pieds. Mettez des pouces rouges, mettez des commentaires négatifs. Je m'en fous. Salut tout le monde, peace out.